Salut à tous, on enchaîne pour une deuxième vidéo avec le test du HomeTom HT37, un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, qui coûte 71,17€ actuellement. Donc ce modèle-là est vendu, si vous intéresse, vous pouvez passer par le lien d'achat qui se trouve dans la vidéo, en dessous dans la description. Donc ben, écoutez, on va passer directement aux caractéristiques. Donc ce HomeTom HT37, il a un écran 5 pouces en HD, donc 720p, qui n'est pas apparemment de 2,5D, il n'a pas l'air. CPU 6580, cadence 1,3 Go, quad-core, Android 6.0, donc pas d'Android 7 pour l'instant, 2Go de RAM, 16Go de ROM, avec une carte extensible jusqu'à 64Go. Après photo arrière de 8, interpolé 13, à l'avant de 2, interpolé 5. L'interpolation, c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels, qui agrandit l'image. Les bandes 2G, 3G, donc 3G... Ah, c'est pour ça que j'avais du mal à capter. Donc 2G, 3G, 850, 1900, 2100. Donc il manque la banque des 3G françaises, qui n'est pas la plus répandue en France. La plus importante en 3G, c'est la 2100, pour avoir le H+, de partout. Et j'avais le H+, de partout, à part mise à part ce week-end, où je me dis merde, il y a un souci. Non, en fait, c'est pour ça, je comprends mieux. Donc, ça c'est fait. La batterie est donnée pour 3000 mAh. Les dimensions sont 14,7 sur 7,2 sur 8,9 mm d'épaisseur. On a une carte d'empreinte. À l'arrière, on va voir les photos promotionnelles. Il n'y en a pas ? Si, il y en a. Alors, les photos promotionnelles, elles existent en trois couleurs. Iron Grey, Silver, Rose Gold. On va le prendre dans les mains, ce sera plus simple. Daisy, Color Film, Winding Light. Ah oui, il a des LED en haut ici. Et en haut en bas, il y a des LED quand on met la musique. Donc, il faudrait que je mette une musique pour tester. J'en ai pas mis dedans, je sais pas si je pourrais tester, voilà, faire l'effort de le faire. Il y a des LED en haut en bas, c'est bon, c'est inutile, mais bon, ça peut être sympa. Donc il tourne sur Android Marshmallow, il serait stéréo avec un double speaker, double haut-parleur, donc on verra ça au prix. Ah oui, l'agréable haut-parleur est assez gros quand même, on verra ça tout à l'heure. Un écran 2,5D, voilà, donc il me fait mentir, c'est un 2,5D en HD 5 pouces, l'appareil photo, c'est pas marqué. Donc c'est un MediaTek, 3G Network, capteur d'empreinte, les gestures, voilà, c'est tout. Donc c'est bon pour les caractéristiques. On va passer directement au design. Donc on a un haut-parleur de tête, un écran 5 pouces en 720p, 2,5D, appareil photo frontal, les boutons qui sont pas sur l'écran, ils sont en dessous de l'écran, ils sont pas rétroéclairés. En dessous on a apparemment un double speaker, un double haut-parleur, le port de rechargement, le micro, une bande à LED là, une bande à LED ici. On va voir de suite avec le petit câble, je me suis préparé avant. Est-ce qu'il y a une LED notification? Hop. Non, ils t'ont foutu des bandes à LED en haut à bas pour la musique, mais ils sont pas capables de mettre des notifications. Voilà. Bon, les bandes à LED, je pense pas que je vous les montrerai. Il y a des vidéos comme ça pour ça. Et je crois que j'ai vu une vidéo YouTube qui les montre. Parce que j'ai pas de musique là, j'ai pas le temps de télécharger une mix. Une musique sans droit d'auteur. Et du coup, ben voilà, je montrerai pas. Donc à l'arrière, on a une coque tout en métal avec des, en haut en bas c'est du plastique pour laisser passer les ondes. Un appareil photo qui ressort un peu de la coque, on peut le voir là. Le capteur d'empreinte, le simple flash LED, sur le côté les boutons power, volume plus moins. Le port jack et il faut l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, ne tirez pas comme ça dessus, hein. Ça sert à rien, c'est l'inverse. Vous mettez votre ongle là, hop, vous prenez vos deux mains. C'était une catastrophe dans le déballage, j'ai galéré. Donc, on retrouve un micro SIM, deux micro SIM, une carte SD que je vois là. Et la batterie de 3000 mAh. Une coque arrière assez rigide quand même. Donc, c'est quand même un téléphone qui est assez épais malgré ces 3000. Ils auraient pu faire un effort de le faire un peu moins épais, mais bon, après, ça m'a pas posé de problème. Donc l'écran, je le répète, un écran 5 pouces, 720p, 2,5D, donc arrondi un peu sur les côtés. Il est protégé par un film d'origine, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de traitement Gorilla Glass antirayure dessus, additionnel. C'est pas dans la description. J'ai perdu mes mots. Donc un écran qui est plutôt sympa, qui est plutôt pas mal, qui réagit super bien. Vous n'aurez pas de problème avec SwiftKey pour écrire vos messages. Ben, tous mes textes, je les fais avec SwiftKey parce que c'est un clavier qui on peut écrire vite en fait. Et du coup, ça corrige mon écriture et j'ai pas eu de problème. Alors qu'avec certains téléphones, j'ai un peu du mal. Lui, ça va. Si je parle un peu par le nez, parce que j'ai été malade toute la journée hier, c'est un peu compliqué. Donc, joli écran. Rien à dire sur l'écran, c'est réactif, ça marche bien.
On va faire le test de l'écran. Voilà. On va voir s'il n'y a pas un autre fond d'écran un peu plus sympa qui mettrait un peu plus en valeur les couleurs du téléphone. Qu'est-ce qu'il fait? Fond d'écran. Oh, il y a des bugs ou quoi là? Ah, c'est le direct, le direct. Tiens, celui-là. Allez, hop. Bon, il est un peu déformé l'avion, enfin l'avion, la navette spatiale. Donc, ben non, mais un écran plutôt sympa, hein, j'ai pas eu de problème. Je vais pas vous mentir, vous le savez, quand l'écran il est pourri, je dis qu'il est pourri. Quand il a des problèmes de réactivité, je le dis. Et là-dessus, sur lui, j'ai aucun problème de réactivité. Les pixels morts, les fuites de lumière. Bon, c'est un peu trop flashy, vraiment. La caméra, j'ai peur qu'elle parte en couille, voilà. Donc, il n'y a pas de fuite de lumière sur les côtés. Les couleurs sont plutôt jolies. Et l'écran réagit très bien. Je vais faire hop, le multitouch. Ah, deux, c'est tout. Deux touches. Seulement deux touches. Maintenant, bon, il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'avoir plusieurs multitouches comme ça. Deux touches, c'est déjà pas mal. Les photos réelles. Voilà, il manque plus que le Miravision. Donc il y est, ça vous permet de changer la nuance des couleurs. Donc je vais mettre brillant, ce que j'aime bien quand ça, quand c'est flashy. Et le contraste dynamique, on va voir s'il fonctionne bien quand je l'active, clac. Voilà, on peut voir la différence. Donc ben voilà, donc l'écran, je vous l'ai dit, un écran plutôt sympa qui pour le prix ben, fait bien son travail. Il n'y a pas de problème là-dessus. Allez. La partie logicielle, donc une légère petite surcouche rajoutée par HomeTom avec des icônes bon pas très jolies, mais bon c'est déjà mieux que le Power 2 quand même. Hein. Donc après bon si vous voulez changer, il y en a qui me font rire, hein, il y en a qui se connaissent pas trop, bon ils me font rire, on peut pas leur en vouloir, il y en a qui se connaissent pas trop du tout même en téléphone, et qu'en fait ils achètent un téléphone pour la beauté des icônes et de l'interface. Et j'ai déjà eu des personnes que je connais. Salut à toi, qui voulait changer de téléphone parce qu'elle trouvait pas ça beau, l'interface Sony. Donc bon, je lui ai mis une autre interface et du coup elle n'avait pas besoin de changer de téléphone, je lui ai sauvé la vie. J'ai sauvé son porte-monnaie aussi. Donc, une surcouche simple avec des icônes un peu retravaillées, il n'y a pas de thème d'application, il n'y a pas de thème. Donc je vous inviterai, je vous pousserai à aller chercher sur Play Store, mettre une autre surcouche, un autre launcher comme on appelle. Donc la mise à jour, le 10 avril 2017, c'est bien le HomeTom HT37 en version 6.0. Les options de la ROM, donc on a les gestures avec le double tap pour réveiller le téléphone. Tac, on va essayer de suite. Voilà, ça marche. Le capteur d'empreinte que j'ai essayé à l'instant, qui marche très bien. Regardez, hop. Capteur d'empreinte qui marche très bien. Après le Smart Motion qui marche avec le capteur de proximité pour. Alors vous tournez, vous posez le téléphone, ça arrête la sonnerie. Vous mettez à l'oreille, vous décrochez par mouvement du bras, de la main devant, etc., etc., etc. Bon, ça pour moi c'est inutile, surtout que ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça marche, mais non, faut avoir envie de gestupiliser devant son téléphone. Ah ben c'est tout. Il n'y a que ça comme option. Il n'y a pas grand chose. Bon, niveau visibilité, la mise à jour. La partie logicielle, il n'y a pas de photo. J'ai un peu du mal. Je m'entremêle là. Donc, non, c'est fluide. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas de problème avec ça. Surtout qu'il y a 2 Go de RAM. Et ça marche plutôt pas mal. Justement, on va aller voir maintenant le phone tester. Voir les capteurs du téléphone. Accéléromètre, gyroscope, c'est tout? Boussole, je sais pas. Boussole, apparemment, il n'y a rien. Capteur de lumière, capteur de proximité, il est là, il marche. Donc ça, c'était les capteurs. Il me manque l'anti-malware et le OTG. Capture d'écran. Oui, non, c'est pas là. C'est là. Alors, la ROM est propre, donc elle n'est pas infectée. Aucun malware présent. Il manque plus que le OTG.
Non, il fait pas OTG. Voilà. Donc ceux-là qui cherchent ça, ben, ne le prendront pas. Voilà, donc ben, rien à dire. Hein. Niveau logiciel, c'est propre. C'est propre, ça n'a pas de fioriture. Ça tourne bien, j'ai pas eu de problème de RAM. Avec 2 Go, c'est plutôt correct. C'est bien optimisé. Allez, on passe directement au benchmark. Alors les benches, 24 414 là en toutou. Ah tiens, je vais montrer ça en même temps. Donc la RAM, sur un 2 Go, il y a 1,975 exactement, la vitesse 2274. Et sur 16, il reste 11,577 pour la mémoire interne. Vitesse de lecture 109 et écriture 39. Voilà, si ça parle à certains, tant mieux. Moi, ça ne me parle pas. 772 le Geekbench, 422 227 le Geekbench aussi. Le Epic Citadel, 45 FPS dans les jeux et 1452 pour le PC Mark. Allez, Rayman, de suite. Alors, Rayman. Bon ben voilà, ça tourne plutôt bien, non? Pour le moment, il n'y a pas de ralentissement, c'est plutôt pas mal. Allez, Dead Trigger 2. Allez. Je vais pas regarder en quoi je tourne. En haut là, je tourne en bas, je vais mettre en élevé. Oula, le son il est vraiment fort. Oh là, qu'est-ce qu'il a à l'écran là? Oh, j'ai fait un double headshot d'un coup. Voilà, un petit peu de mal quand même sur l'écran là. Il n'est pas aussi réactif que j'aimerais qu'il soit, mais c'est plutôt pas mal. Ah, je vous montre pour fermer l'application en cours. C'est bizarre, hein. C'est ici, vous laissez appuyer là. Tac, ça fait un double menu. Allez, ça va pourquoi. Allez, on va maintenant passer à Real Racing 3. Allez. Hop. L'accéléromètre, c'est bon. Ah, ça tourne plutôt pas mal, hein, y a rien à dire. Bon voilà, c'est nickel. Allez, donc niveau performance et les jeux, ça marche plutôt bien. On passe directement à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, on retrouve cet appareil photo, ce logiciel un peu stock. Stock, c'est pas stock Android, mais voilà, c'est le truc le plus simple qu'on peut trouver sur le téléphone chinois. Donc je vous laisse regarder les paramètres qu'on retrouve toujours les mêmes comme d'habitude. Hop, donc ici on a le panorama, le mode beauté et c'est tout. Voilà, et le HDR ici qui est désactivé. Allez, on va prendre, je vais vous montrer un peu quelques échantillons. Allez, on commence par le selfie, donc la caméra avant. Qui marche plutôt bien pour une caméra avant, ça va, c'est plutôt propre. Après, caméra arrière, on va augmenter un peu la luminosité, c'est un peu juste là. Allez, on va à fond. Bon, dans l'ensemble, vous allez voir, les photos, elles sont plutôt réussies.
J'étais vraiment convaincu par cet appareil photo qui marche plutôt bien, regardez. L'image est belle, elle est propre. Les détails sont là. Une petite vidéo. Non, c'est plutôt pas mal. Une photo extérieure. Photo de nuit. Qui est le flash. Ça fait une petite auréole quand même au milieu. C'est pas extraordinaire. Ça fait une petite auréole. Comme s'il y avait un fantôme, ça fait bizarre. Une autre photo de nuit. On peut voir que le flash ne brûle pas trop la photo de près. Mon plan de travail. Non, c'est correct, c'est plus que correct. Donc pour le prix, franchement, non, Dom a mis un appareil photo plutôt sympa. Allez, le GPS. Alors, 11 satellites vus, 8 fixés, 4 mètres de marge. Le téléphone a bien marché, il n'y a pas eu de problème là-dessus. C'est où que je suis, c'est là. Et j'ai même pu faire, j'y ai pensé. Par contre, le fixe est assez long, 19 secondes pour le premier fixe. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'après, il marche correctement. Alors, on va directement sur YouTube. On va regarder une petite vidéo et la partie audio. Allez, c'est parti. On enlève le son. Ah, c'est sûr. Ah, voilà. Bon, c'est un écran, voilà, comme vous l'avez vu au début, qui est plutôt sympa. C'est pas non plus du haut de gamme, hein. C'est 70 €, faut pas s'attendre à des miracles, mais honnêtement, c'est encore un téléphone qui m'a vraiment plu, qui est plutôt complet, et donc j'ai pas trouvé de petits défauts. Si, le défaut, c'est sa bande. Il a pas la 4G, mais en plus de ça, il a pas la bande des 900 dans la 3G. Du coup, bon, ça limite un peu, même si moi j'ai eu tout le long de mon test la 3G et le H+. Certains qui sont à la campagne auront des petits problèmes. Allez, on va écouter le son. Donc le son avec une musique sans droit d'auteur sur YouTube. Et apparemment, ce serait un produit qui serait avec un double speaker. Donc on va voir ça de suite. Ah merde. Alors c'est vrai, certes, le son est peut-être puissant. Maintenant, c'est un peu criard quand même, c'est un peu aigu. Et j'aurais tendance à pouvoir baisser le volume parce que, voilà, je sais pas, ça attaque un peu les oreilles. Mais sinon, c'est vrai que le son est puissant. Mais pas trop de grave quand même, hein. Plus dans les aigus. Donc le port jack, il n'y a pas de souci. Alors... Bah, niveau audio, c'est pas mal du tout, hein. Bah, pas mal du tout. Comme je vous ai dit, hein, c'est plus dans les aigus que dans les graves. Et ça m'a un peu fait mal aux oreilles. Mais sinon, ça va. Alors, on en est au réseau. Donc, qualité du Wi-Fi, c'est à fond. Bah, je suis à côté, c'est normal. Bande 3G, 4G. Alors, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas la 4G dessus, vous avez la 3G et seulement 2100. Ça veut dire qu'en gros, si vous êtes à la campagne, vous n'aurez pas le H+. Il suffit d'aller voir sur le site antennerelais.com. Regardez s'il n'y a pas une antenne 900 à côté de chez vous. Enfin, déjà, faut qu'il y ait une antenne 2100 à côté de chez vous. Si à côté de chez vous et tous les alentours, il y a des antennes 2100 partout, comme de partout en France, vous aurez pas de problème, vous aurez internet partout. Maintenant, si vous êtes dans un trou paumé, généralement, vous aurez de grandes chances d'avoir une antenne 900 et donc du coup, ben, vous aurez que le Edge, tout simplement. Donc, il s'adresse pas à tout le monde ce téléphone. Autonomie, on va faire le logiciel. Alors, 3000 la batterie, je l'ai mesuré à je fais pas le malin et je sais pas. Je l'ai faite. Je l'ai remis d'usine parce qu'en fait j'ai changé de puce et je pensais que c'était le téléphone qui avait un problème, mais en fait c'est juste ma puce n'était pas activée. Voilà, donc c'était rigolo. Et en fait, ben, j'ai pas. Pour une fois, vous n'aurez pas la capacité réelle de la batterie. Et je sais pas. Je sais pas du tout parce que je ne me rappelle plus, j'en ai fait plusieurs en même temps. Donc c'est pas grave. On va voir. Le PC Mark est un score énorme de 8h19. C'est très rare, hein, 8h19. C'est plutôt les téléphones avec des grosses batteries. Donc là, la 3000, c'est déjà pas mal. Et. En utilisation, c'est où? C'est là.
Alors, regardez bien. Bon, par contre, c'était un samedi, donc c'était un jour généralement où j'utilise moins mon téléphone le week-end. Paradoxalement, j'utilise plus quand les jours de semaine que le week-end. Et oui, le week-end, je promène, je sors. Donc, 2h28 écran allumé. J'ai fait un petit quart d'heure, 20 minutes de GPS, 3 minutes d'appel seulement. Mais quand même, j'ai utilisé que 45% en 15 heures. Donc, c'est vraiment peu quoi. C'est une batterie qui est vraiment. Voilà, c'est un chameau le truc. Il vous durera un jour, voire deux. Ben, déjà, là, il me durera le week-end entier. Et là, il m'aurait duré le week-end entier facile. Donc, 2 jours. Donc, une bonne batterie, une bonne autonomie. Conclusion. Ben, écoutez. Si vous faites l'impasse sur cette fameuse bande des 900, ben c'est un très bon choix, plutôt correct, il marche bien, il est plutôt équilibré dans tous les domaines. Voilà, donc le test est terminé. Là, j'en ai vraiment marre, j'en ai fait deux d'affilée et je suis fatigué, il fait très chaud dehors. Et j'en avais vraiment envie d'en finir vite. Allez, la prochaine vidéo sera, je sais pas, je vais faire le A5 2017. Que j'ai acheté et en fait je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Voilà, j'ai acheté celui-là qui me suit. Voilà, j'ai acheté un A5 2017 de Samsung, pas cher. D'ailleurs, je le revends. Donc, il y a un ami à moi que normalement je lui ai proposé. Il m'a pas encore vraiment répondu, mais bon, vu que je le vends que 200€, il est tout neuf garanti 2 ans encore chez Rue du Commerce. Ça devrait partir rapidement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message. Bisous à tous.